Bonjour, bonsoir, n'importe côté nous a regardé nous. Je tiens nous à remarquer que moi habillé en arabe. Moi habillé en arabe, c'est parce que moi gagne un thème que moi va parler de lui et qui est très important et qui vient pour avec la culture musulmane. Et d'ores et déjà mon qui branché sous Chanel là, qui est habitué écouter nous très bien, vous fait bien. Et si vous n'êtes pas habitué à faire ça, seulement cliquez sur abonner. Et puis, vous êtes le premier monde qui a une chance de voir la vidéo chaque heure nous poster. Quelle différence qui gagne entre la femme haïtienne et la femme musulmane? Pas oublier, deux cultures différentes, toutes femmes pas même. Et nous pouvons voir une grande différence. Et pour monsieur qui a plaidé 10 femmes haïtiennes, il n'y a pas bon. Hein? Et je dis à nous, faut qu'on ait que les femmes haïtiennes, c'est bon femme. Même les parfois, ils ont fait nous fâcher, ils ont un petit problème par eux, mais c'est bon femme qui ont. D'accord? Une femme haïtienne, nous allons parler de femmes haïtiennes et femmes musulmanes dans la question de faire. Femmes haïtiennes, premier petit défaut, il y a un main fait bagaille dans fait noir. Et, avec fait bagaille dans fait noir ça, c'est timidité qui cause ça parfois. Et pas oublier, il y a une vidéo que m'a lancé pour nous, et m'a dit nous, et non seulement c'est timidité, mais parfois, mon nom a un petit défaut corporel. Par exemple, il y a un monde qui a un petit défaut, bon vagin, soit qui a un bagaille. Hormonal ou bien un bagage et génétique qui saute la cali et puis il pas avec les garçons en wali et ça capable mener à la timidité. Mais ça pas empêché mesdames haïtiennes yo exercer sexualité comme ça doit. Qui limite que mesdames haïtiennes yo gain en sexualité face à la loi, face à capable dit à constitution pays yo. Yo ba yo accès à partir de 18 ans. C'est moun majeur que yo est, yo majeur, ça veut dire yo ka fè bagay. Et lè ou vle. Face à la religion, ou pas capable de faire bagay là, son pas marié. Et nous capable dans vidéo pa myo, on presque pas mentionné et pas fait avant marié parce que on gétan konnen gen moun ka fè affaire quand même. D'accord. Et puis, immédiatement, au fin de la licence, ça, pour yon fait bagay, et ceci, yon fait bagay, jan yon vle, lè yon vle, kote yon vle, ak moun yon vle, nan moment yon vle. Et pa gen ken moun ki ap di yon yon pa gen doa fè bagay, là, ou bien yon pa gen doa fè bagay kon sa. Fama isyen yon, trouve sexualité a comme se yon bagay ki. Il y a un parti nan yo qui trouvait li son fait normal et puis il y a l'autre tout qui trouvait le wap parler de fait bagay c'est un bagay qui grossier ça veut dire ou son moun qui pas respecter moun parce qu'on parler de fait bagay devant moun. Laissez-moi vous dire l'éducation sexuelle plus important que l'hypocrisie sexuelle parce que avec l'éducation sexuelle ça qui arrive ou maintenir vous plus bien et puis vous gagnez en santé sexuelle qui est normal. Maintenant, haïtiennes yo remen fè bagay nan fè noir et puis haïtiennes yo majorité nan yo pa prele. Yo pa prele. Gen kèk grain ki rele, mais gen kèk grain yo pa prele. Même les bagay la bon, yo pa prele. Yo pito a plein. C'est pas le cas. Songe me dit nous c'est pas le cas. Et ceci et gen femme haïtienne qui bay plaisir, bon plaisir qu'on a, hein? Mais gen l'autre tout qui timide en pile. Maintenant n'ap jambé nan mesdames musulmanes. Yo. Yon femme musulmane avec ménage li pa gen doit coucher avec ménage li avant que li marié. Premier bagay nan fiança la ou bien ménage là, yo apprend que ou fait pour Allah. Et ceci ou créé par Allah. Et Allah là pour lui protéger. Ça veut dire, ou doit appliquer un bagay comme si qui relait communication ou sanctification sans arrêt.
Maintenant, nous jambé dans moun qui marié yo. Dans moun qui marié yo, halamelel et halamelel alay. Et bon, nous saisi là nous m'a parlé arabe. C'est parce que l'homme marié, li gen yon bagay nan musulman yo yorele le Ramadan. Le Ramadan c'est comme si m'te ka di nan en langage hébraïque. On fait ce qu'on appelle le Moun Kippour, c'est ça? Ouais, le Moun Kippour. Bah bien sûr, c'est le Moun Kippour en langage hébraïque. Mais le Ramadan c'est yon jeûne que on va faire. Et durant et on fait jeûne ça, il dure 60 jours consécutifs. Ça veut dire ou pas gen droit à frotter avec madame. Tendez bien. Dans la culture haïtienne, l'homme marié ou fait bagay lovely matin, midi, à souhait lovely. Ou te mette chrétien ou gen pour prêcher ou gen pour aller dans jeûne pour aller prier ou faire à fort lovely. Li différent, mesdames musulmanes. Même les yo gen mari depuis yo a fait le Ramadan, c'est un système de jeûne 60 jours de prière sans manger. Et ceci, yo dit halal abba ou force, halal abba ou la paix, labba ou capacité pour capable faire abba ou capacité pour capable faire bon nouem ri et ri a venir pour mri mri. Capacité pour faire. Et ceci, si Maria, de 5 heures dans l'après-midi, pour arriver 10 heures du soir, Maria n'a pas le droit de toucher madame. Maria, bien sûr, c'est un maram. Et ceci, si partie génitale, garçon, touché à partie génitale, fille, ça veut dire, gigit là, avec chouchou nan, boubou nan, Ramadan a vint gâté. Ou a retourné encore, elle fait 60 jours. Ça veut dire, nous, là, moun y a souffri pour sexe, là, pour faire bagay. Et après 60 jours, ça, c'est laisse ou gen accès pour toucher fille avec sauvle avec. Mais durant le Ramadan, ou pas ka main fille, ou pas ka coller avec fille. Et si vous rate yon jour, ou ap tourne à zéro. Deuxième bagay dans le Ramadan, si ou pas gen capacité pour faire 60 jours jeûne, sans manger 60 jours consécutifs, ou pas choisir 60 pauvres pour ba yo manger et bien manger. Ça veut dire, durant le Ramadan, femme musulmane yo pa gen droit faire bagay et monsieur yo kon sa tout, yo pa gen droit faire bagay ensemble avec mesdames yo durant le Ramadan. Et normalement, c'est différence entre femme haïtienne et femme musulmane. Haïtienne yo fait bagay lè ou depuis ou gen mari, lovle, jonvle, kotovle, nan façon vle. Ou pral prier, ou saute la prière, avant al prier, avant al l'église, depuis feeling monté, fait bagay. Haïtienne yo, genan yo ki pa remen rele fè assis, yo pito a plein pito. Et puis musulman yo, yo même, yo remen fè assis, yo remen fè ça, mais malheureusement, durant le temps du Ramadan, mes amis, mesdames, yo soufri en pile. Parce que yo pa ka fè bagay avec maram. Ça veut dire, pa gen moyen pour yo connecter sexuellement. Ça aussi, c'est ti bagay que nous dwe konnen concernant en culture. Ça veut dire, yon haïtien qui perdit 4 maran ni, et puis l'al marié avec yon musulman, et puis durant le Ramadan, li pa gen femme. Ça veut dire, li la pour 2 mois congé, de 5h du matin à 10h du soir, ou pa gen droit toucher ensemble avec lui. Zima Shaba Heliel. Et ceci, halam. Les musulmans disent halam kreyo, halam kreyo. Et c'est pour capable vivre halam elel. Belle bagay net. Hala, halama. Zima Shaba Heliel. Et fom di nou, toute façon, c'est très intéressant, la culture musulmane. Et pendant moi détailler ça ban nous moi apprendre ça moi connait li et puis me dit non avant nous marier avec un fille connait qui culture parce que si on marie avec un musulman haïtien remet fait bagay même les parfois yo timide y a fait le nan fait noir mais yo remet fait bagay il fait là ou marie un musulman durant le Ramadan
ou pas gen mari ou bien pas gen madame. D'accord? Merci. Et c'était Faniel Psychovida, une tâche de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis pour m'aider à grandir. Hala melem. Zima Shabba Eliel.